voleurs ce trésor de la famille royale, que tu pourras ouvrir les portes du temple du temps. Link, entends ma voix. Je suis Sheik, de la tribu des Sheikas. 7 ans, 7 longues années te séparent du moment où tu as pris cette épée. Alors regarde-toi sans peur, Link. Regarde-toi et contemple ton nouveau visage. Sens cette nouvelle force t'envahir. Sens les nouvelles possibilités. Cette épée sera ton allié dans cette quête. Brandis-la sans peur et frappe ton ennemi. Tu es vaillant, courageux, brave. Je sais que tu peux le faire. N'aie crainte, je ne serai jamais loin. Y aura-t-il quelqu'un pour nous sauver? Y aura-t-il un héros? Personne pour me sauver, moi. Pas même pour sauver la princesse. Voilà 7 ans qu'elle a disparu. 7 longues années. Depuis qu'il est devenu le nouveau chef des Gerudo il y a plus de 7 ans, Ganondorf prépare quelque chose. Les Gerudo sont partout, cachés, à l'affût, à nous surveiller. Mais il y a pire. Nous ne savons pas où est la princesse Zelda. Et nous craignons pour elle depuis tout ce temps. En ouvrant les portes du temple du temps, tu as permis à Ganondorf de s'infiltrer. La Triforce s'est brisée en 3 parties. Ganondorf a su récupérer celle de la Force. Les parties du courage et de la sagesse sont manquantes. Il faut les retrouver avant lui, Link. Tu dois les retrouver avant lui. Tu as beaucoup de choses à faire, Link.
Mais je sais qu'avant tout, tu as des gens à revoir. Des gens qui t'aiment. Cette fois, tu as la preuve que tu n'en étais pas un. La course du temps est cruelle. Sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Alors j'ai vu le ciel pleurer. Ses larmes étaient chaudes et j'ai eu envie de pleurer avec lui, chose que je n'avais pas faite depuis longtemps. Nabouré, pourquoi es-tu parti? Pourquoi nous as-tu abandonnés à Ganondorf? Pourquoi nous as-tu laissés seuls?
Nabooru. Nabooru, reviens. Reviens. Le monstre de l'ombre s'est échappé. Tu es revenu.